Tout le monde, c'est Médavid Pierre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc bien sûr, précisé derrière. Hein. Mais bon, je viens de l'appeler pour qu'elle venait. Donc voilà, j'offre un cadeau à Priscilla en espérant que ça va lui plaire. Parce que franchement, pour trouver vraiment un bon magasin vraiment où j'ai vraiment plus de confiance, il fallait trouver. Et c'est un nouveau magasin qui a ouvert. Et franchement, là-bas, je vais essayer de m'arranger avec eux pour en faire une vidéo aussi avec eux. Donc bref. Je vais lui offrir, j'espère qu'elle va aimer. Donc bah, c'est parti, bah, tu peux. Tiens. Donc voilà, fais-le montrer bien à la caméra, je vais te montrer. Hein. Donc attends, vas-y, je vais te tenir le plastique. Donc voilà, hein, Priscilla n'est pas au courant. Hein. Non, t'es pas sérieux. Donc T'es ouais. pas sérieux. Vas-y, fais montrer. Donc voilà, j'ai offert une DS à Priscilla. La DS, c'est la 3DS. Donc voilà, c'est qui est la dernière. Et vas-y, faut montrer avec le jeu. C'est un jeu qu'elle adore. T'es pas sérieux? Donc voilà, j'ai offert ce jeu-là. T'es pas Donc sérieux, voilà. t'as pas envie de me faire en vidéo? Je l'ai payé 6 euros, oui, hein, vous voyez, un petit jeu à 6 euros. Je m'en fous. Hein. Franchement, je l'ai payé 6 euros, mais en vrai, c'est pas son vrai prix. Hein. Donc ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas grave. Elle ne sait pas le prix de la DS. Hein. Peut-être qu'elle sait le jeu. Mais voilà. Donc voilà, je l'ai offert Sony. C'est Mario et Sony aux Jeux Olympiques avec la DS. Et merci au gars parce qu'il m'a fait une petite promo aussi. Franchement, après, je m'en fous. Donc voilà, c'était parce qu'elle le voulait depuis des mois et des mois m'en parler. Et voilà, mon cadeau. Alors, tu vois, il y a le chargeur avec. Donc voilà, t'as un chargeur. Donc voilà, j'ai offert un petit cadeau. Désolé, j'en ai la ronde. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà, un petit cadeau. Elle le méritait parce que franchement, elle m'en parlait beaucoup. Vous voyez, quand c'est pour les voyages, qu'on va reprendre aussi prochainement. Donc les longs voyages, dans les TGV, dans les trains, dans les voitures ou autres, qui vont arriver d'ici quelques mois qui sont en place. Je vous avais promis pas mal de choses, des nouveaux projets pour l'année 2018. Et ça se met en place. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en pensez encore une fois dans ce commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager, pardon, et à commenter aussi. Et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci encore à vous. Plus de 600 abonnés, 600 vipères, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, bah, j'espère que ça t'a plu. Ça te plaît. Donc voilà. Je pense qu'elle va vous faire une vidéo pour tester aussi. Donc j'essaierai de faire un truc pour faire des captures en truc. Donc à l'ancien temps, on peut dire ça avec la caméra. Voilà, sur ce, bah, prenez soin de vous les amis, mes petites vipères, et c'était Méda Vipère, et Priscilla. allez sur ce, peace!